Eh, bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche parce que nous on est au taquet. Eh ouais, c'est juste énorme parce qu'aujourd'hui on est enfin sur l'eau, enfin sur l'eau. Et là je peux vous dire que je suis en train de tourner l'intro alors que je pêche déjà depuis ce matin. Je crois que ça vaut le coup de regarder la vidéo vraiment jusqu'au bout. C'était une journée superbe, un ciel magnifique, une mer pas trop mal même si ce matin c'était un peu différent. On a fait pas mal de poissons, on a fait pas mal de barres. On s'est éclaté, bon bref, je vous laisse regarder tout ça dans la vidéo et je vous dis à tout à l'heure les copains, ciao ciao. Allez, premier lancé avec la 733 sur un petit Zand finesse. On va quand même régler le frein. Superbe. La sensation est juste extra. Et en plus, je crois qu'il y a l'air d'y avoir un peu de poisson. Pas sûr. Je relance pas, je vais passer, on va faire juste un passage pour voir. Tu veux essayer? Hop. J'ai essayé. 128 grammes je crois de mémoire. Je suis pas encore un pro des ligatures, donc mes ligatures sont encore un peu grandes. Ouais, une première belle petite détection à l'instant. Donc là, je pêchais de ce côté-là. Comme je viens de voir la détection juste là derrière, on va essayer de passer dedans, on va voir. Bon allez, dernier lancé, et si ça donne rien, on va aller voir ailleurs. Ah, le premier poisson de la journée. De l'année. De l'année. C'est pour Franck. C'est Franck qui va nous sortir quoi? Je vois le poisson qui remonte. Une vieille. Je crois. Hein, c'est une vieille petite face donc. Ouais. Voilà, premier poisson de la journée. Ça, ça fait plaisir. On s'en fout de ce que c'est. Le plaisir qui compte. Bon alors, comment dire? Bah pour une première, c'est compliqué hein. Il y a un peu plus de vent que prévu, il y a un vent contraire à la marée, donc on dérive mal et on prend pas de poisson. Mais ça va venir. J'espère.
enfin un poisson. Et c'est la 733. Et c'est la 733 avec un zan de finesse. Et là, je suis que dans la nouveauté. Oh, comment je suis content! Attends, il est pas sorti. Il est pas sorti, le petit gars. Oh, ça chante, ça. Ça chante. Ah, ça, j'aime. Regarde-moi cette petite 733 qui plie, là. J'annonce Barsounet. Barsounet en forme. Il est fourni. Yes, papa. Ah, content. C'est pas énorme, le premier mètre. Voilà, avec un petit zan de finesse Morito, parce qu'avec Morito, on n'est jamais capot. Et voilà, petit barfinier, premier barfinier. Oh, ça fait plaisir. Oh, cette petite touche là, ce petit schlick dans la canne. Je vais même me prendre en photo tellement je suis heureux. Voilà. Donc petit zan de finesse, monté sur une tête. Voilà, dart. Même si j'aime pas l'anglais, on est obligé de faire ça, quoi, la flèche. Et je vais me gratter au fond. Au fond. On va essayer d'aller chercher son grand frère. Je vais pas aller sur le frère en fait. Je vais pas bien tirer dans les deux. Ah non, ça c'est pas bien, faire tomber un bar sur les boudins, c'est pas bien. Tout ça pour montrer à la caméra. T'arrêtes de bouger. Si tu veux, tu es une star. Sans dire bonjour. Hop. Voilà. Et encore au zan de finesse. C'est pas de lâcher Morito. Voilà. Bon, la difficulté du jour, c'est que on dérive là et on a un vent qui fait, bon, enfin, qui fait ça en travers. Donc, du mal à faire la dérive. On a du mal aussi à trouver les poissons. On est sur un petit coef. Et là, c'est plutôt à l'œil d'avoir repéré des zones où le courant accélérait un tout petit peu. Et comme par hasard, eh ben, les barres sont là-dedans. Ce qui semble logique, hein, mais il fallait le trouver. Et en technique, on est sur une zone où il y a du lançon. Donc forcément, ils ont l'air d'avoir envie plutôt de leur finesse et plutôt de pêcher light. C'est là que je suis content d'avoir monté ma petite canne, ma X-Ray 733, parce que ça me permet là, pour 22 mètres d'eau, pêcher en 20 grammes et quand même de bien sentir le fond. Et là, des petits twitch dans le zan de finesse, des petites pauses. La pêche à gratter, quoi, en fait, pour faire simple. Et voilà, c'est le tour de France. Moi, je viens d'en rater un. Hop, encore un bar, top. Bon, Fire Hill 13 cm, donc c'est clair qu'ils sont sur le lançon. Hein. Il n'y a pas de doute. Première chose, on les a trouvés. Deuxième chose, ils sont sur du lançon. Quand on est sur des barques de cette taille-là, en fait, derrière l'heure, il y en a plusieurs. Il n'y a pas de difficulté parce qu'en fait, quand tu tapes, il y a 20 canaux qui arrivent et qui Oh. On n'est pas dans la même catégorie, les enfants. Oh, bah, dis le doublé. Toujours aux zans de finesse.
Ça c'est bon sur une petite canne comme ça, comment ça plie. Il arrive, il est là. Allez, on va faire un double de sous-aide. Hein ? Allez, non, oh, regarde. Le tien est ressorti. Ouais. Non, je sais pourquoi le mien, j'ai poussé par le ventre. Et voilà. Deux barres dans l'épuisette. Un fire heel et un vent de finesse. Petit coquin. Je crois que j'ai bien fait de mettre les dents de finesse dans la boîte. Hein. T'as vu ce qu'il y a derrière? Ouais. Donc moi c'était son copain. Il était avec son copain. Hop, voilà. Toujours aux zones de finesse Mojito. Et là, on tourne la tête. Et on a le même qui arrive ici. Barbichon. Bon, ça fait plaisir. Hein. Pour une première, on a galéré pendant quand même 3 heures. Ouais, 2-3 heures. Et là, on les a trouvés. Ils sont là. Ah là 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 là. Regarde. T'as vu comment il tape? Regarde. Non mais énorme. T'as vu ça sur la canne mais... Je sens que tu vas vouloir que je te prête un zon de finesse. C'est quand je vais dire à Laurent ce soir en rentrant. Je vais te donner la carte bleue. J'ai encore une commande à faire. Je les ai tous commandés sauf celui-là. Ce qu'elle me dit, mais ça m'a fait la dernière fois. Elle dit ouais, mais chaque fois, il me voit tout d'un seul coup. Je donne la coupe. Allez, re. Ah, il y a des belles détections. Et à la vôtre. Ouais. Parfait. Allez, Première journée en mer, comment ça fait du bien sous ce temps. Bon, mi-journée, une dizaine de bars, comme ça. Ouais. Une vieille. Et plein de bonheur. La suite pour après, même si cet après-midi ça va être plus court quand même. Mais sans crochet. Oh putain! Yes! Oh, re... oh la vache! Oh, yes! Oh! Non mais, hé! Ça y est, je vais. Il est bien, merde! Eh bah, dis donc! Ah bah vu la détection qu'il y a sur le sondeur, je m'étonne. Hop, toujours au Zand Pines. C'est un macro. Macro, le premier de l'année aussi. Un beau macro. Il est beau le macro.
sur le mur de l'eau. Prendez. À gratter des petits twitch, un petit comme ça. Ciao ciao. Et ben voilà, la 807 est inaugurée avec un petit barçonnet. Un petit barçonnet fait avec mon petit leurre fétiche. Digiline Dark Knight. Ping. Et moi je dis bim. Donc moi je dis que la journée est cool parce qu'aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et là même j'ai très chaud même. Là j'ai même trop chaud. Aujourd'hui j'ai dépucelé ma 807 à l'instant avec un Digiline Dark Knight. Juste le leurre, the leurre, s'il n'y en a qu'un, c'est celui-là. J'ai dépucelé la X-Ray 733 NFC, qui juste est pour moi une immense découverte, un immense plaisir. Pendant que je vous parle, il y a juste des détections de fou. Ça, sur le Zone Finesse. Alors, Zone Finesse, on a passé du Morito. Franck, il est avec le pailleté, c'est ça, le vert pailleté? Vert pailleté, dont je ne sais plus le nom, mais je vous l'écrirai quelque part en bas, là. Voilà, pas à la pêche depuis 4-5 mois. On doit approcher de la vingtaine là, pas loin. En tout cas, une grosse quinzaine, ça c'est sûr. Moi je dis, y a rien à ajouter quoi. Rien à ajouter. Donc bref, on va continuer à pêcher parce que bon voilà, il y a du poisson, il y a des détections, même si on n'arrive pas très très loin de l'étal. On va se dire que si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis vous abonner. Enfin bref, comme d'hab, vous savez tout ça. Et on se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les copains.